Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh et Natsliach en ce jeudi 12 septembre, 9 du mois de Elul. Je vous rachetais par Edna Gez. Shakados Baruch Hu et Varechotav Bechol Asherla, Toda Rabba d'avoir acheté un shiur chez nous. Shiur acheté pour l'élévation de l'âme de son papa, Alav Shalom, Claude Mahlouf Ben Redoua. Ruach Hashem, Tenachenu Begane Den Elyon, Bechol Ashorvim Imo Bichlal, Arachamim Yoseluchot Bechen, Yehel Atzon Lomar Amen, Yehye Nishmato, Tzora Betzora Chaim, Shulun Da Yoter Dava, Be'ezrat Hashem, Yishol Ben Chamon Dekol Mizrael, avec une grande pensée pour tous nos metim, les tzarenu Rav Kol HaNiftarim, Shemasrot Nafsham, Al Kiddush Hashem, tous nos otages, chaque jour, Yerzer Otam Brim, Brim, Vishlemim Levetam, Shemor Al Chayanu, Vetam, Mekol Tzaram, Tzukam, Mekol Naga, Umachala, On sera l'élévation de l'âme de Eliane Bat Elisa Zana Alea Shalom, Abraham Ben Phoebe, Shoshana Ginette Bat Mesaouda, Yaakov Mahlouf, Kalfoun Ben Yosef, Bechol Mete Israël, Refouach Lemal Kol Kholé Israël, en remerciant du fond du cœur hier pour le shiur que nous avons donné à Natania chez le Rav Ben Simon. Darabah Rav Ben Simon, Baruch Hashem, c'était très 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 sympathique, très agréable, et Todarabah pour tout. Voilà, alors on commence peut-être. Dans la suite de notre shiur, on a une liste numéro 1, numéro 2, numéro 3, et j'insiste peut-être lourdement, mais je vous conseille pour ceux qui ne sont pas encore dans cette liste-là de bien regarder les shiurim numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, avant de passer directement au 3 sans voir le 2, parce que c'est une liste d'un cours qui s'appelle « Croire que l'on puisse changer Be'ezrat Hashem sa vie ». Et c'est vraiment très important parce qu'on définit là-bas les choses qui nous empêchent de rester prisonniers, qui nous tiennent plutôt prisonniers d'une situation qui nous empêche de travailler Hachem. En d'autres termes, la Teshuvah ne sera pas accomplie si on ne se débarrasse pas de cette liste un peu longue, certes, mais nécessaire à connaître et à travailler pour être capable de devenir meilleur, de développer et de dévoiler le potentiel réel qui est en nous. Chaque juif et juive a été créé avec une neshama spéciale qui s'appelle source divine, Chelek Elokam Ma'al. C'est pour cela que les juifs sont poursuivis depuis des siècles. Pourquoi Dafka les juifs? Qu'est-ce qu'ont les juifs de si particulier dès qu'il y a un conflit ou quoi que ce soit? Eh bien parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur du juif que les nations du monde savent mais que nous on ne sait pas. Alors malheureusement, je pense qu'un des plus grands péchés que chaque juif ou chaque juive pourrait accomplir, c'est d'oublier qu'il est Ben Melech et Bat Melech. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a une lumière au sein de ton cœur que tu ne connais pas et que la Torah et les Midot que tu as pourront te permettre de développer. Donc, croire que l'on puisse changer sa vie, c'est le titre de cette série. Et là, je crois qu'on part dans le cinquième cours, si je ne m'abuse. Alors, récapitulatif de la liste précédente, juste pour savoir, on a vu que l'éducation, les pensées des parents, le jour même de ta conception joue un rôle prépondérant sur le niveau de ta neshama qui viendra dans ce monde. Yetzerara, la pétard rovet, donc Yetzerara est toujours au centre de tout ce qu'il faudra pour être un obstacle à ton évolution spirituelle. Loma amin behemet, c'est-à-dire qu'on est tous croyants que Dieu existe, que la Torah est vraie, qu'il y a le Gan Eden qui nous attend, le Gehinam si on n'est pas méritant. Mais est-ce qu'on y croit vraiment? Non. Parce que si c'était le cas et qu'on y croyait vraiment, vraiment, ben on ne ferait pas. Hein, c'est comme celui, il y a un verre d'eau qui est rempli de poison, on l'avait vu ensemble, est-ce que tu le bois? Non, pourquoi? Parce que tu as vu qu'il a mis du poison, donc tu ne vas pas le boire, tu n'es pas fou. Alors comment on peut dire qu'on croit en Dieu, en sa Torah, on n'est pas Shomer Shabbat, tu es fou? Donc en réalité, tu n'y crois pas vraiment, c'est-à-dire, tu y crois, mais bon, ça va, ça va. Le mot ça va, hein. Tu es en train d'arnaquer des gens au téléphone et tu dis, bon, mincha, mincha, allez, ça va. C'est que tu ne crois pas vraiment aux valeurs de la Torah, tu y crois, et c'est pour cela que le Rambam fait une différence entre Areni Ma'amin et Areni Ma'amin Be'emouna Shlema. C'est Emouna Shlema, c'est ce qui vient se rajouter à cette liste qu'on a donc dit dans le premier shiur. La vraie Emouna démontrera que tu ne vas pas le faire ou le faire. Pourquoi tu mets les tefilines? Parce que je suis Ma'amin Be'emouna Shlema, que c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi tu ne mets pas de kissouille? Parce que je sais qu'il faut le faire, mais je ne suis pas prête, je n'ai pas envie. En réalité, tu n'y crois pas vraiment. Mais si tu étais mort clinique et vu le salaire d'une femme qui se couvre la tête avec un pachat, avec un kissouille, je te promets que tu mettrais 3 kissouilles sur ta tête. Pourquoi? Parce que cette fois, tu as vu, tu as réellement réalisé. Okay? C'est comme très souvent, un violeur, lo alenu velo alechem,
il fait une bêtise. Pour lui, c'est côté animal qui s'est développé. Il prend 10 ans de prison. Dès qu'il est en prison, il réalise la gravité de ce qu'il a fait. C'est des fois dans le choc émotionnel, comme ça peut arriver dans le travail du tibour, que tu travailles avec une personne et puis bon, tu laisses couler les choses. Tu ne crois pas vraiment qu'elle a 10 millions de côtés. Et puis voilà que tu es Mézal Zelbo. Puis un autre mec qui travaille dans le tibour, c'est... comment on dit tibour ? Agent immobilier, qui va croire en cette personne. Il lui vend une villa à 10 millions de shekels. Là, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, mince, ça m'est passé sous le nez. Ça veut dire quoi ? Je croyais en son potentiel, mais en réalité, tu ne croyais pas. Parce que si vraiment tu croyais, tu l'aurais accompagné, tu aurais fait ce qu'il fallait, tu croyais en lui. Et toi, tu l'as tout de suite jugé. C'est exactement ce qui se passe. Quand on a un potentiel client, on pense qu'il peut acheter des chaussures chez nous, qu'il peut acheter un appartement chez nous, qu'il peut... On pense que... Mais si on le savait, si on te dit, tu sais, il est vraiment venu pour acheter, il a vendu sa villa en France pour acheter une maison ici, tu dis, oula, donc il a les moyens. Donc comme il a les moyens, maintenant je vais me donner à fond. C'est exactement comme ça dans la Torah. Quand tu ne te donnes pas à fond, c'est que tu ne crois pas en la clientèle de la Torah. C'est-à-dire ce que présentent les anges, le monde futur. Tu sais que ça existe, c'est philosophique à tes yeux. C'est une émouna qui est en toi, mais elle n'est pas développée au point d'y adhérer. On l'a dit le roi David d'ailleurs. « Tovli Torah pilcha me'alfeza v'chasef » Le roi David, quand il a vu ce qu'était la Torah, il a goûté à la Torah, il a dit, tu peux me présenter des univers d'or et d'argent, ils ne valent rien à mes yeux à côté d'une heure d'étude de Torah. C'est impossible. Ou tu prends $1 milliard, ou tu vas étudier une heure. Franchement, vous allez où? $1 milliard avec le Tzera qui te dit, comme ça, tu vas étudier plusieurs heures. Ouais? Le roi David, je dis, qui t'a dit qu'il va pouvoir étudier après? Mais qu'est-ce que tu as vu, toi, pour consacrer ta vie, comme je vous l'avais parlé du Rav Zerbib, qui était professeur en chirurgie cœur ouvert, là, cardiaque, il a tout laissé tomber, il s'enferme au Yeshiva. Le mec, il gagnait 50, 60 000 euros par mois, au bas mot. Il est parti s'enfermer à Jérusalem, à Ramoth, étudier la Torah. J'ai rencontré, je lui ai dit, mais vous étiez très connu, vous avez écrit des livres. Ma, il m'a dit, avant, je décortiquais des cœurs, aujourd'hui, je décortique la Gemara. Le beau-frère du Rav, le beau-frère de Maurice Bengozi, astrophysicien. Le mec, c'est une tête, ingénieur. Il a rencontré la Torah, il a tout. Mais comment c'est possible? Comment est-ce que des gens qui ont un métier, qui étaient avec une femme, fou amoureux d'elle, ne veulent pas faire tchouba? Lui, il a fait tchouba, il la quitte. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas aller au mikvé, parce qu'elle ne veut pas. Mais t'es fou amoureux d'elle, mais qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as compris? Que quand on est ma'amin be'emouna shlema, je donne un exemple que j'ai vécu moi-même avec un membre de ma famille. Il n'avait jamais le temps pour rien. Jamais. Chaque fois que tu l'appelles, il n'a pas le temps. C'est pas qu'il ne veut pas. Il n'a pas le temps. Seulement, ses deux reins ont lâché. Donc, égal, dialyse. Tous les deux jours. Un membre de ma famille. Et je lui ai dit, maintenant, tu as le temps d'aller à la dialyse? Il s'est énervé. Il m'a dit, mais bien sûr, si je n'y vais pas, je meurs. Le jour où on sera persuadé que ne pas venir étudier au Beit Midrash tous les jours, c'est comme une mort. Vous verrez que tout le monde viendra étudier, tout comme tu vas à la dialyse. C'est pas que tu as le temps, tu n'as pas le temps d'y aller. C'est simple, tu n'y vas pas, tu crèves. L'eau monte, elle n'est pas évacuée, tu meurs. Noyé dans ta propre urine. C'est pas compliqué, hein? Alors pourquoi tu vas à la dialyse? Pourquoi tu vas à la dialyse? Parce que c'est une question de vie ou de mort. Qui aime Chayenu Verachemen? C'est ce qu'on a expliqué la dernière fois dans notre liste, que je vous conseille de voir, pour en tout cas celui qui voudrait changer vraiment sa vie, de revenir sur ses shiurim. Ensuite, l'homme amin be'atmo, il est très important d'être quelqu'un qui croit en soi-même, ne pas se laisser influencer par des gens qui vont te ridiculiser et de croire que tu ne peux pas y arriver. C'est l'onachon. On a eu un cas comme ça au collège d'un monsieur, un jeune homme, qui était donc Bachur Yeshiva, qui a toujours été le dernier des 400 Bachur Yeshivot. Quand il est rentré chez nous, et qu'on lui a fait l'examen pour voir s'il pouvait devenir ou pas à Brer, le ravarié, mon propre rab, ne croyait pas en lui. Il m'a dit, vous allez le prendre? J'étais mashgiar, j'ai dit, oui, je vais le prendre. Il m'a dit, mais je ne veux pas prendre quelqu'un de plus intelligent, plus sensé, je ne comprends rien. Je lui ai dit, il ne comprend rien. Je lui ai dit, moi, mon but, c'est de prendre quelqu'un qui est zéro et de le rendre numéro 1. Ça fait 10 sur 10. Ouais. Pendant 12 ans, il a étudié au collège. Il nous fatiguait pendant les cours. C'était toujours le personnage qui posait des questions bêtes sur les sujets, ou pire encore, on venait de répondre, il posait la question après. Mon rab ne faisait même plus attention à lui. Il faisait comme ça avec la main. C'est là, laisse-moi tranquille. Il est Roche-Collel. Aujourd'hui, il est Roche-Collel. Il est d'une érudition que je souhaite à tout le monde.
Il vit à Bétar, élite. Il est roche kolel d'un niveau chaval à l'azman. Moi, j'ai fait une chose avec lui. C'est que je lui ai dit, moi, je crois en toi. Si tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas y arriver. La motivation ne doit pas venir de l'extérieur. Elle doit venir de toi. Ne te laisse jamais envahir par des sentiments que tu ne vaux rien, parce que tu es malade, parce que tu n'as pas eu de chance sur ceci ou cela. Faites attention à cela. Ne vous laissez pas avoir par la Yetzirara ou par la bêtise des hommes. Faites attention à vous. La haine, la tristesse, les clipotes, la débauche, l'influence extérieure, les émotions et les crises de nerfs. Et on a parlé dans le numéro 3 ou 4, je ne me rappelle plus quel numéro j'étais. Soigne tes blessures et tes cicatrices et sors de ta déception. Sinon, tu ne pourras jamais avancer. Nous commençons notre chiour. Quel est d'après vous le prochain? La itbolelout. Alors ça, c'est la pire de toutes. Parce que la itbolelout, ça veut dire l'assimilation. Dans le Shulchan Aruch, on nous demande de faire attention à l'assimilation. Ne t'habille pas comme les nations du monde. Ne parle pas comme les nations du monde. N'appelle pas tes enfants comme les nations du monde. Christian, Eric, Jimmy, c'est très bien. Shirley, c'est bien pour les Américains. Nous, on a des noms juifs. Noah, Abigail, Shoshana, Esther, Vered. Il y a tellement de beaux noms, Sophie, tellement de jolis noms, qui ont des significations, qui ont des attachements à des tzadkaniot et des tzadikim. Un jour, le Rav Ovadia Yosef était sur la chaise et lui a dit, il y a quelqu'un qui vient le voir et lui dit, est-ce que vous me permettez d'appeler mon fils d'un nom un peu moderne, si tu prends un mot à droite, un mot à gauche, tu fais ensemble. Et le Rav Ovadia, il lui a dit, pourquoi? Il lui dit, pas un nom trop, trop religieux. Et là, le Rav Ovadia, il s'est énervé sur la chaise de qui c'est. Abraham, Abraham, nous, Yitzhak, Yaakov, l'Octobre, l'Octobre, l'Echa. C'est pas bien ça, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Religieux, religieux, il lui a dit. Yeshanu Shemot. Yeshanu Shemot. On a le nom à nous. La reine, la Hit Bolelout. Voyons un petit peu ce que ça donne, la Hit Bolelout, dans le judaïsme. Il y a un pays qui va être la source de la Hit Bolelout, par excellence. C'est Edom. Edom, à l'envers, c'est l'aide du mot Moda, qui veut dire la mode. La mode, elle est très dangereuse. Parce qu'elle est une pritsa, elle est une ouverture pour la descente aux enfers. Les vous choix la Adam Zou Kevodo. La façon de t'habiller exprimera ton kavod. À l'époque, je parle à l'époque de nos grands-mères, ça n'existait pas. Avant que sortent Dynasty, Dallas, Amour, Gloire et Témoche, les feux de l'amour, les feux de Taras, tous ces trucs-là là, qui existaient. Les gens étaient pudiques. Ça n'est, à part ceux qui allaient peut-être dans les cabarets. Mais les gens étaient pudiques. La télévision et les nouvelles mœurs qui sont sorties ont imprégné le cerveau de ceux qui se sont pris pour ces gens-là. Alors que vous savez que dans ce monde, pour réussir sa vie, il faut être tout sauf les autres. Si Dieu t'a créé avec ne serait-ce que ton empreinte qui est unique au monde, c'est parce que toi aussi tu es unique au monde. Tu n'as pas besoin d'essayer de ressembler à une star, à une étoile montante, ou alors parce qu'il est trop beau, elle est trop belle, j'adore comment il s'habille. Et vous verrez que ce côté d'influence est tellement satanique qu'il peut rendre l'homme plus bête que la bêtise humaine. Exemple très connu, les influenceurs. Le mec, on lui dit, tiens, mets cette montre, il la trouve vraiment laide. Hors caméra, qu'est-ce qu'elle est moche. Bon, il va être payé, donc qu'est-ce qu'il en a à faire, 5 000 euros, 10 000 euros, il met la montre. Ok. Mais comme c'est un influenceur, et regardez bien le mot, hein, c'est carrément une insulte. Ils n'ont même pas fait mieux que ça dans le livre de la jungle. Et confiance, crois en moi. C'est-à-dire que les influenceurs, ils ont un din très spécial. C'est, je vais t'arnaquer en prenant ton cerveau et le formater à croire que ce que je vais dire, c'est bien. Alors que moi-même, je ne le pense pas, mais je suis juste payé pour le faire. Et tu as les teubés qui vont le faire. Je me rappelle, quand est sorti Le Professionnel, un film avec Jean-Paul Belmondo. Alors, Allah, les bêtes dans l'amour. Ouais.
Il avait un blouson, Nachon. Mon beau-frère, que Dieu repose son âme, à l'époque, on s'est regardé, on dit, on va le faire. C'est comment on en a vendu? Le mec, il porte un blouson en cuir. Maintenant, quelle différence? Il est ce côté-là, il a une poche en droit. Comme il l'a porté, alors moi aussi, je suis le professionnel. Mais le mec, dans le film, il est mort en plus. Non, 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 non. Et il meurt devant l'hélicoptère. Je veux mourir devant l'hélicoptère. J'arrive pas à comprendre. T'as une star qui porte, je sais pas, il s'est fait les cheveux fuchsia. Le lendemain, tu as 1 million de personnes les cheveux fuchsia. Vous êtes bêtes à ce moment-là. Il y en a même un qui m'a raconté qu'il s'est fait planter des cheveux pour les faire fuchsia comme ça. T'as une atrétine. Faites très attention à l'assimilation. En économie, on appelle ça le conformisme. Le conformisme. Mais il faut savoir une chose, c'est que la hit bolelout, l'assimilation, est la pire chose qui puisse nous arriver au monde et nous éloigner de la teshuvah. Parce que dans le meilleur des cas, elle te rend parvé d'Atiloni, la hit bolelout. C'est pour cela qu'il y a marqué Ve'ele Shemot Ben Israël, presque nous a sorti de la hit bolelout égyptienne. Regardez bien, ce que je vais vous dire, c'est quand même vachement important. Un, on avait des noms d'hébreux. Deux, on s'habillait comme des hébreux. Trois, on parlait comme des hébreux. Combien sont sortis d'Égypte? 20%. Donc combien se sont assimilés malgré le fait de toutes ces protections? 80%. Ils ne sont pas sortis de leurs frontières. Ils ne sont pas sortis d'Égypte. Comme ça explique le rabbi. Le rabbi, il dit, lo yatsu mimetsarim, pas mimitsraim, mimetsarim. À cause de la Hibolelout, ils sont mis à penser comme les Égyptiens. Le juif, il a une particularité. Vous n'irez pas selon leur loi à eux. Là, j'ai quelqu'un qui est avocat, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, j'ai un procès entre deux juifs. Est-ce que j'ai le droit de le faire entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, ce procès? Je lui ai dit, à l'avocat, mais si c'est des juifs, ils doivent aller au Bédine, pas chez toi. Il m'a répondu, c'est ce que veut mon client, l'autre ne veut pas. Lui, il est parti au Bédine, et l'autre lui a dit, je ne veux pas y aller. Je lui ai dit, déchire-le. Zeid Bolelout, pourquoi? Jamais la justice n'aura lieu si tu vas selon, par rapport à nos lois, nous les juifs, selon les lois laïques, en aucun cas. Rochen Mishpat, ça n'a pas été écrit pour des clowns. Les dîners Mamonot et dîners Nefashot, ça n'a pas été écrit pour faire joli dans la Sifria, dans la bibliothèque. Nous avons des lois. Et c'est pour cela qu'il y a marqué Tzedek, Tzedek Tirdof. Justice, justice, tu poursuivras. Le kefel lachom, justice, justice, veut dire que tu dois faire justice sur terre comme Dieu dans le ciel aurait fait justice, selon les lois de la Torah. Donc si toi, tu as fait une autre justice, prenons le cas d'un exemple. Il y a un seul témoin qui vient témoigner en disant « Oui, oui, j'étais là, il lui a donné l'argent. » Selon un tribunal, ça peut être suffisant. Il y a une preuve, il y a un témoin. Ou la personne dire, je suis témoin, je l'ai vu prendre le couteau et le tuer devant mes yeux. Sur terre, il y a un témoignage, t'es mort. Tu arrives devant un tribunal rabbinique. Il y a un témoin qui dit, j'étais présent, il l'a tué, c'est lui. Qu'est-ce qu'on fait du coupable? Qu'est-ce qu'on fait du coupable? Oui, monsieur, vous êtes libre. Chez nous, les juifs, il faut deux témoins. Et s'il y avait deux témoins présents, on va dire, comment est habillé l'autre témoin puisque tu étais dans la pièce? Si tu n'es pas capable de répondre, c'est qu'il y a un problème dans ton témoignage. On appelle ça d'ailleurs, par la suite, ceux qui mentaient, les Edim Zomamim. C'est là. Aseret Makot. Et la paracha la semaine, tu feras subir. Ah, c'est la semaine dernière, pardon. Tu feras subir au témoin la punition qu'on devait faire à l'accusé. La Torah, elle est très précise. Les lois de la Torah sont très précises. Elles sont divines. Ce qui fait que la hit bolelout est une des choses qui devra le plus te mettre en garde si tu veux faire une réelle teshuvah. Al tit bolel. La hit bolelout, elle est dans tous les paliers de la vie sociale. La façon de s'habiller, la façon de s'exprimer, de parler, la façon de se conduire, la façon d'avoir un relationnel entre l'un et l'autre. Qui a Mitzrim? Il y a marqué Mitzrim. Chazal disent que les Hébreux sont devenus Égyptiens. Voyons à quel point la Hibbolelout peut effacer un homme de l'horizon de Dieu dans la Torah. Est-ce que Moshe s'est assimilé? Non. Sauf sur une pointe. Il y a un point
noir chez Moshe Rabbein. Quand les filles de Yitro vont dire de lui, comme ça dit le Midrash, Ish Mitzri, un homme égyptien. Il aurait mal. Il est né en Égypte, il est égyptien. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu ne verras jamais le pays d'Israël, tu ne rentreras pas. Tu viens de te griller. Il dit Lama, Kidbolalta. Tu aurais dû dire, je suis d'Égypte, mais je suis hébreu. Qu'est-ce qui a fait de Yosef que lui est mort, Yosef est mort, et qu'il est rentré en Égypte. Quand ils ont voulu l'assimiler à l'Égypte, Ganov Gunavti Me'eretz Haivrim. Volé, j'ai été volé de la terre des Hébreux. Dieu lui a dit, Yishar Koach, grâce à ta phrase, puisque tu t'es reconnu comme étant hébreu et non pas égyptien, Chayecha, que les enfants d'Israël ne pourront pas quitter le pays sans tes ossements. Je ne sais pas si vous comprenez. Moshe vivant ne rentre pas, mais les ossements de Yosef, eux, y rentrent. Lama, le Midrash nous dit, nos Chachamim, parce que Moshe a une pointe d'assimilation, tandis que Yosef HaTzadik, même en Égypte, alors qu'il mourra en Égypte, sera enterré en Égypte, au fond du Nil, il ne s'est pas assimilé. Il ne mangeait pas avec les Égyptiens. Mais il ne dérangeait pas. Ce qui fait que quand tu gardes ta culture et ton côté cultuel, spirituel, donc, tu as toutes les chances de mener à bien une situation. Prenons un exemple. Comment est-ce que je pourrais conquérir un pays sans faire la guerre, de façon pacifique? C'est très simple. Il ne faut surtout pas que je m'assimile ni aux lois ni au pays. Pour prendre un pays qui devient mien, de façon naturelle, de façon logique, eh bien, j'appelle mes enfants comme ma culture le veut, je m'habille comme ma culture me le demande. Prenons un exemple simple, sans viser qui que ce soit, c'est juste pour l'exemple et sans vexer personne. J'appelle mon fils Mohamed, je sors dehors en djellabia, je parle l'arabe. Ben, quand tu sors dehors, oui, c'est pareil pour les Hébreux. Et c'est pareil pour les Suédois, et c'est pareil pour les Français, c'est pareil pour tout le monde. Il y a un pays qui est très en garde sur ça, très très en garde, incroyablement en garde, qui est un exemple pour moi dans ce domaine, c'est les États-Unis d'Amérique. Tu veux être chinois, on va te faire ton quartier à toi chinois. D'ailleurs, ça porte le nom de Chinatown. Ouais, d'accord. Mais la première règle qu'on t'apprend dans toutes les écoles, c'est de te lever et de dire « je suis américain ». De te rentrer dans l'asbana, dans la tête, il faut être fier d'être américain. Dans toutes les écoles aux États-Unis, on t'apprend l'amour du pays, l'amour de la patrie et les lois américaines. Et ils les respectent. Pourquoi ils les respectent aux États-Unis? Parce que la justice américaine et la police sont main dans la main. Ce qui n'est pas le cas d'autres pays. Ce qui fait que les ennemis de la police, c'est la justice. Si la justice n'est pas main dans la main avec la police, « shoftim ve shotrim » Tassim lecha bechol sha'arecha, nous dit la Torah. Shoftim ve, ve, c'est le vav, qui veut dire que la justice, si tu veux un pays qui réussit, doit être main dans la main avec la police. Et la police, elle fait ce qu'elle veut. Non, il y a la police des polices. Mais eux, ils ont été très forts. Si tu veux ne pas t'assimiler à la culture du pays, fais-toi un quartier. Mais tu ne prendras pas le pays. Et si dans tout le pays, je te laisse sortir tel quel, donc on va prendre pour nous les Hébreux, les Juifs. Imaginez qu'en France, maintenant, il n'y a que des vigenistes qui débarquent, en France, ou ailleurs, en Israël, ou dans n'importe quel pays, hein, quand je dis la France, parce que je parle français. Mais ils sont tous en shtraimel, chaussettes blanches, pantalon noir dans les chaussettes, Rabbi Jacob. Il s'appelle Yosele, il s'appelle... Hein? Mais absolument, ils ont eu peur que les Hébreux les assimilent. Ben c'est pour ça que ça commence comme ça. Irbou, Veshrutsu, Virbou, Bimod, Meod. Ils deviennent nombreux, ça devient embêtant. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont eu peur. C'est pour ça que dans la parasha de Balak, la question que tu dis est posée. Vayar Balak. Qu'est-ce qu'il a vu Balak? Qui Rav, hein? Ils sont nombreux. Qui? Il ne parlait pas des Hébreux. Rav, c'est le Rav Rav. Il a dit, c'est quoi tous ces millions de personnes derrière les Hébreux? Qui suivent les Hébreux? C'est que les Hébreux sont une telle lumière que quand sont sortis les Hébreux du pays d'Égypte, sont sortis avec eux énormément d'Égyptiens qu'on appelle le Rav Rav. Et c'est de ça qu'a eu peur Balak. Il a dit, mais les Hébreux sont une telle lumière
que nous, on ne va pas assimiler les autres, on ne va pas convertir les autres. Il s'agit à toi de venir demander, supplier une conversion. Il faut avoir du mérite pour être juif. Alors imagine à Paris maintenant, ils sont tous en Shtreimel. Ils parlent que le yiddish. Tu te lèves le matin, tu dis je suis un pays juif. Ou je suis un pays musulman, ou je suis un pays chrétien, ou je suis un pays bouddhiste. Peu importe. Mais si je ne m'associe pas à la culture du pays, je déracine la culture et je dénature l'origine. C'est exactement ce qui se passe si un juif s'assimile avec une non-juive, ou le contraire, ou s'il ne mange pas kasher, il rentre dans un système d'assimilation où il pourra prendre des bribes de mitzvot avec lui, mais jamais il ne pourra faire teshuvah. Ce qui fait que là, une des règles principales, j'espère que ce cours ne vexera personne, ce que je dis pour les arabes, les juifs ou les chrétiens, c'est la même chose. C'est peu importe qui tu es, si tu gardes ta langue, si tu gardes ton... Voilà. Aujourd'hui, on a un conflit en Israël. Que ce soit très clair quand même. Aujourd'hui, on a un conflit en Israël qui est très grave. Vous savez sur quoi est basé le conflit entre la gauche et la droite en Israël? Vous savez sur quoi c'est basé? Non. Soyons sérieux. Je parle de deux réponses qui englobent toutes les autres réponses. Bon, j'ai pas le temps, je vous le dis. En Israël, au sein même de la Knesset, on veut savoir, est-ce qu'on est dans un pays de juifs ou est-ce qu'on est dans un pays d'israélites? On veut faire la différence entre Israël, la nation d'Israël, et juif. Alors que être juif veut dire d'être de confession israélite. De tout temps, pour éviter l'assimilation, être juif, c'est être israélite. Tu es israélite, tu es juif. Mais si je m'en retire maintenant au fait que ce n'est pas un pays pour les juifs, mais c'est le pays d'Israël, donc n'importe qui de n'importe quel lieu prend la nation, la nationalité israélienne. Donc devenir israélien, ça ne veut plus rien dire. Ceux qui veulent la Torah, qu'on appelle les sionistes, ceux qui étudient la Torah disent c'est un pays pour juifs, comme l'avait dit d'ailleurs Herzl, un des hommes les plus assimilés de l'histoire, mais qui avait compris une chose, il ne faut pas exagérer dans l'assimilation. Il n'a pas dit je veux un pays pour les Hébreux, il n'a pas dit je veux un pays pour les Israélites. Après l'affaire Dreyfus, il a dit il serait temps qu'on ait un foyer pour les Juifs, qui voulaient assimiler, hein, ceci étant, mais juifs. Ce qui fait que si on est dans un pays pour juifs, alors on retournerait dans une situation très claire. C'est le pays des juifs. Beth Amikdash, Beth Knesset, Shabbat, Pessah, Shavuot, Sukkot, pays des juifs. Mais si je veux dénaturer cela, comme a fait Hitler, la première ordonnance qu'il ait accomplie, retirer les kippotes des juifs, retirer les péotes des juifs, les tzitziotes des juifs, il faut les dénaturer. Et nous, on s'est assimilés. Napoléon a fait pire. C'est pour ça que le Admour Hazaken, quand les Juifs de Russie, face à Nicolas qui les persécutait, écoutez bien, Nicolas Ier persécutait les Juifs. C'est un antisémite notoire. C'est le tsar de Russie. Napoléon est venu pour sauver les Juifs dans cette guerre. Ils sont partis voir le Admour Hazaken. Ils lui ont posé la question dans quel camp on doit s'engager. Est-ce qu'on doit se mettre du côté de Napoléon ou est-ce qu'on doit se mettre du côté du tsar? Il a répondu, mettez-vous du côté du tsar. Bien sûr, comme d'habitude, tous les abrutis intellectuels, mais pas du tout, au contraire. Ouais, et eux, ils sont partis se mettre du côté de Napoléon. Et les élèves du Admour Hazaken sont partis se mettre du côté de leurs persécuteurs. Il a répondu, c'est pour ça qu'il a été d'ailleurs mis en prison, l'Admour Hazaken, le Balatanien. Il a répondu, je vais vous dire pourquoi. Avec le tsar, on prend des coups physiques. Avec Napoléon, il va prendre les âmes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Consistoire, qui à la base est une bonne idée. C'est bien d'avoir, heureusement qu'on a consistoire en France. Ils font du bon travail pour, par rapport à plein de choses. Mais ça a été une assimilation. Avant le consistoire, avant Napoléon Bonaparte, les Juifs vivaient dans des ghettos. Et qu'est-ce qu'a fait Napoléon Bonaparte? La France pour tout. Il a fait sortir les Juifs de leur ghetto. Et on n'est pas... Exactement. Non, il a interdit de donner des prénoms. Par exemple, tu ne peux pas appeler ton fils Moshe. Dans les années 70 non plus, tu pouvais, 80 non plus, tu pouvais pas. Moshe, non, ce n'est pas un nom français, c'est Moïse. Bon, là, ils se sont fait avoir. Hein. Là, ils se sont fait, là, c'est Youssouf, c'est, là, ils se sont fait avoir sur le coup, au fait des chroniques. Mais à l'époque, tu ne pouvais pas appeler ton enfant. Ma mère a voulu appeler son fils Yoram, elle dit non, il faut un nom français, Pascal. Et ce n'est pas un agneau.
C'est un jeu de mots et une cascade. Les gens, ils sont un peu longs. Des perouches là-bas. Rien assimilation est une des pires choses. C'est pour ça que tu dois te lever comme un juif, parler comme un juif, modani, les fanecha, tes trois prières. Tous les jours, Bezrat Hashem, t'habiller comme un juif, kippa, tzitzit. Bon, s'il y a un danger, je parle pas de ça, je parle de façon générale. Au lieu de connaître la fontaine, il était bien la fontaine. Mais d'abord, Pirkei Avot. Fais attention à ton assimilation. Le avdil ben kodesh lechol, ou ben or la chosher, ou ben Israël la amim, ou ben yom hashivei le sheshet yemei ha'maaseh. Qu'est-ce que nous demande la Torah et sur quoi on jure tous les jours? Le avdil ben kodesh lechol. Sache faire la différence entre ce qui est saint de ce qui n'est pas. Ou ben or la chosher, entre la lumière et l'obscurité. Sache faire la différence. Pourquoi? Pour ne pas t'assimiler. Ou ben Israël la amim, entre le peuple d'Israël et les nations du monde. Ce n'est pas une question de qui est mieux et pas de ségrégation. C'est qu'on a des rôles différents. La main droite, ce n'est pas une main gauche, quoi. Et si tu les montes à l'envers, tu verras que tu ne vas pas attraper grand-chose. Ou freine, ou bagnom hachivéi, le chichet de mamas. Tu ne fais pas la différence entre Shabbat et les six jours de la semaine. Ces quatre points-là, qu'on vient de citer, sont le démarrage d'une teshuvah réelle, possible et exponentielle. Si ce n'est pas le cas, tu n'auras pas bougé d'un centimètre dans ta vie, si ce n'est que de faire entrer un peu de Torah dans ton assimilation. D'un côté, tu allumes les bougies, et de l'autre côté, tu ne fais pas Shabbat. Tu allumes la lumière, tu allumes la télévision. Voilà. Tout ça sont des choses qui sont extrêmement graves. Comme l'assimilation la plus foudroyante de cette génération pour toutes les religions, les portables, les réseaux sociaux, on est d'abouk et lave, on est du matin au soir dessus, comme si que on n'a jamais pu vivre sans, comme si que quelque chose manquait dans notre existence. Alors que la plus merveilleuse des choses qu'on puisse faire, c'est d'être capable, encore aujourd'hui, d'ouvrir un livre et d'étudier. De faire travailler notre cerveau à analyser, à comprendre, à définir. Et non pas te laisser envahir par toutes sortes de formations qui vont faire de toi un objet de quelques personnes qui nous dirigent comme des marionnettes, parce qu'ils vont te faire entrer des données dans ton esprit qui vont devenir pour toi une normalisation, voire une nouvelle culture. Jusqu'à Yeshua de Nechamot, Bezrat Hashem. Non, je suis contre le conseil. Bezrat Hashem, Yeshua de Nechamot, Am Israël Chai Vekayam, Kol Tov Velitra.